Nous avons l'assurance, au regard de la qualité des personnalités qui ont été retenues pour conduire la liste de la deuxième circonscription électorale, il y a une forte chance que, au sortir des urnes le 8 janvier 2023, le parti du Bloc républicain sortira gagnant. Vous savez, on dit le passé de l'homme parle à sa place. Je pense que depuis 2019, nous étions restés aux côtés de notre population. Tous les candidats, tous les leaders du Bloc républicain sont restés aux côtés des populations. Et je crois que ce qui est fait est bien fait. Et nous pensons que c'est l'occasion peut-être de faire un tour auprès de nos mamans, de nos jeunes surtout, qui sont notre priorité, les mamans, la jeunesse, pour leur dire, leur assonner pour que ce qui est fait depuis 2019 là, puisse être concrétisé au soir du 8 janvier 2023. Très simplement dire à nos militants de rester sereins et de travailler. Cette campagne sera totalement différente de celle que nous avons connue jusque-là. Que cette fois-ci, il faut que nous gagnions et de la belle manière possible.